favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Encore. C'est
chante avec moi. Vous répétez après moi ces paroles-là, ok? Très simple. Oui, je t'aime, ô Éternel. Tu as été patient envers moi, chantez-le. Chaque jour tu conduis mes pas et je veux rester près de toi. Ok, on veut pas la même chose. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, ô Éternel. Tu as été patient envers moi. Chaque jour tu conduis mes pas et je veux rester près de toi.
Frères et sœurs, dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous, on dit bon Dieu merci qui bat nos opportunités à Soya pour nous capables de gagner ce service accompagné de cérémonie de baptême en ce jour qui marquait la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Église réunie pour nous capables de commémorer la mort de notre Seigneur. Et encouragez-nous pour que lorsque nous parlons chanter les cantiques, pour nous chanter avec ferveur, avec énergie. Parce que notre Seigneur, c'est vrai, il était mort, mais il n'est plus au tombeau. Il est maintenant à la droite de Dieu et il intercède en notre faveur. Sur cette note, m'a invité nous pour nous mettre nous debout, pour nous capables de prier le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons, parce que si tu es grand, tu es merveilleux. Merci pour le salut que tu nous donnes en Jésus-Christ, salut qu'aucun de nous mérite. Ce soir, Seigneur, nous sommes réunis dans ce lieu pour célébrer, pour commémorer la mort de ton fils Jésus-Christ à la croix. Merci pour ton fils Jésus-Christ qui a accepté, lui, en tant que Dieu, a accepté, Seigneur, de venir sur cette terre pour prendre un corps humain. Lui qui n'a point connu le péché et il était devenu péché pour nous. Merci pour les souffrances qu'il a acceptées. Merci pour les mépris, les rejets. Seigneur, nous voulons te remercier d'une façon spéciale. Parce que, à notre place, Christ, il est devenu notre substitut. Il a pris notre place. Et si nous sommes ici ce soir, bien vêtus, avec la joie au cœur, avec l'espérance du ciel et l'assurance du salut, c'est à cause de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de ton fils Jésus-Christ. Nous te remettons le service de ce soir. Qu'il te soit agréable, ô Dieu. Les chants que nous aurons à entonner, que tout soit contribué pour la gloire de ton Saint-Nom et l'édification de ton peuple. Sois adoré par Jésus-Christ, nous t'en prions, lui qui nous a enseigné à prier ainsi, notre Père. Et aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, chers frères et sœurs. Comme je vous ai déjà annoncé, c'est une soirée spéciale. Nous avons presque 17 catéchumènes qui, sous peu, vont plonger dans les eaux du baptême. Et on a prié le Seigneur pour que les capables de pasteur m'ont assez d'énergie et force pour plonger ces catéchumènes. Mais pour, avant, nous entrer dans la cérémonie, ça,
m'a demandé nous pour nous pas arrêter avec bras croisés, avec bouche fermée, parce que le but présence nous à soya, c'est pour nous louer bon Dieu, c'est pour nous chanter la gloire de Dieu et commémorer la mort de Jésus-Christ. Nous allons aller chanter la gloire de Dieu. Il me déplace là à Tim, non? Il y a quatre cantiques qu'on va chanter après. Nous allons attendre la lecture biblique. Grâce, bon Dieu, avec nous. La paix, bon Dieu, avec nous. Nous venons adorer à soi. Nous disons, bon Dieu, merci pour sacrifice ça. On chante ensemble. Yeah.
mon salut par ton grâce sacrifice, ô Jésus, quelle merveille. Yeah.
Oh,
Alléluia. Pendant que vous êtes debout, nous allons ensemble en faire la lecture que nous trouvons dans Luc chapitre 23, du verset 32 jusqu'au verset 56. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Dans ton règne, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je te remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait été encore mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en étant retournées, elles préparaient des aromates, des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat. Selon la loi, parole du Seigneur, veuillez vous mettre, merci. Chers frères et sœurs, nous pouvons aller entrer dans la présence de bon Dieu pour ce soir. Firstly, I will ask all the young people, please, today is a great good day to praise God and to thank Him. You see where my head is at? Not to the young ones, the little ones. Please be quiet and let's pray. Let's say, God, thank you. Yes, let's say, God, thank you.
as while your parents are going to pray, we have, all of us have to go before God to thank him, all young people. Frères et sœurs, nous gagnons des raisons. Yon baga m'abdi moi, merci à toute l'assemblée qui était chantée très bien. Tout ça fait me dire ça? Gagnons des frères et sœurs actuellement en Haïti qui n'ont pas qu'à chanter. Qui n'ont pas qu'à entrer dans l'église pour glorifier même avec nous là. M'chita comme triste. Yo pas qu'à chanter. Mais content, nous chantons pour yo. C'est ça qui fait à Soya, nous pas le remercier, bon Dieu, pour son sacrifice à la croix. Pour son amour, il manifesté envers nous. Et nous disons, mon Dieu, merci, double merci. Nous ici. Nous disons, mon Dieu, merci, il y a des frères et sœurs en Haïti, partout, qui ont fait même avec nous. Nous disons, mon Dieu, merci, parce que sa mission a été accomplie envers nous, parce que nous sommes capables d'entrer dans la présence de lui pour nous chanter sa gloire et nous remercier lui pour la vie éternelle. Let's pray. Dieu Tout-Puissant, Père, nous dit tant que David, nous bénis l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits, car c'est vous-même qui rendit possible pour ce soir nous capables de rencontrer ensemble des frères et sœurs qui sont partout et ailleurs, Seigneur, pour nous chanter ta gloire, accompagnés avec les anges, les chérubins qui sont dans ta présence, et nous-mêmes qui sommes tes pécheurs repentants, sauvés par grâce, par le sang de ton Fils Jésus-Christ à la croix, nous capables de chanter, même Jean, avec les anges, gloire, gloire à toi, et nous dirons merci pour tes bienfaits. Merci Père pour ton amour qui est manifesté lorsque nous ne te connaissons, nous sommes loin de ta volonté. Nous t'a fait ça qui n'est pas bon dans la présence. Mais ton Fils Jésus-Christ, il était accepté, venu vivre sur cette terre de péché. Il était maltraité. Il n'a pas de connaissance. Il a parlé le mal. Il a comploté contre lui. Il a arrêté. Il a battu le soufflette dans la figure. Il a percé. Il a tombé, il a levé. Li vle mande de l'eau, yo pa balil. Li kriye, maman de Marie, ensanglote. Papal, li rete loin. Tout famin yo zanmin yo abandonne l. Li rete seul pour contre li. Mais li accepte toute souffrance sa yo. Pour que ce soir, des frères, des sœurs, yo réuni dans toute l'église qui est papillée dans les États-Unis. Gagne des frères et sœurs en Haïti actuellement. À la maison, dans la peur, mais ils ont réuni, ils ont songé, je dis ça, c'est jour ça, vendredi ça, pour ils ont célébré non. Nous disons merci, n'importe endroit que petit ou réuni ce soir, il y a pensé de sacrifice que tu fais à la croix, pour que je dis à ils capables les petits bon Dieu, et c'est ça y est en Jésus-Christ. Nous disons merci Père pour ce sacrifice sanglant. Nous pas gagné rien pour nous capables de dire plus. Nous pas venir à soyer à vie demander pour guérison, nous pas demander pour problème que nous gagnons, mais en vertu de sacrifice que vous fait au Père, n'a dit merci parce que sacrifice ça les rend possible pour nous capables qu'on est ou même comme papa ou nous. Et sacrifice là Seigneur, vous fait nous reconnaître ça qui bien pour nous faire, ça qui mal qui péché pour nous aller loin de lui même Seigneur. N'abdou merci Père pour nos péchés qui pardonnés par le sang de ton Fils Jésus. Nous bon gloire, nous bon honneur, nous bon louange, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix, pour nous capables de joindre pardon pour tous péchés, nous Seigneur. Mais n'abdou merci tout Père pour tous tes bienfaits que nous joignons dans nous-mêmes. La vie nous transformer, que mon vle quel, mon pas quel, la vie nous transformer. Nous pas même monde encore que nous t'ayons, Seigneur. Nous disons merci pour la vie, merci pour l'opportunité, merci Seigneur Jésus et pour grâce, Seigneur. Ô Dieu, que ton nom soit béni pendant que nous l'a assoyé, Seigneur. Acceptez l'ouange, acceptez témoignage que nous, acceptez chant, Seigneur, pour tout ça ou même ou fait pour nous-mêmes, dans le cœur de chaque
frère, dans chaque sœur qui chita là, que vieillard, que enfant, yon remerciement à tout que nous pour la vie éternelle qu'au ban nous. C'est ça que fait à souhait ça, Seigneur, nous demandons au Dieu, nos, ses frères, ses sœurs qui prennent la décision parce qu'ils reconnaissent ton amour envers eux, ils ont accepté ou te dit yo, c'est au quoi faut baptiser, Seigneur, yo quoi, yo gen la vie éternelle, mais yo coubé sous commandement au Seigneur. Béni yo, permet que bon Dieu pendant yo poil faire décision ça, yo capable songer date là, joie, moment qui côté otayé pour capable connaître décision ça au faire, ici selon ta volonté. On va aider au grandir spirituellement. On va aider au Dieu d'amour, Père, marcher plus dans nous-mêmes. Et parmi nous-mêmes, capable de gagner des diacres, capable de gagner des moniteurs et du dimanche, capable de gagner des pasteurs. Mais faire prendre engagement pour capable vivre la vie chrétienne. Écoute notre prière. Bénis pour nous-mêmes, au Dieu d'amour, Père, le message de ta parole. Que tout ça qui va faire, qu'a fait pour ta gloire, pour ton honneur. Écoute, pardonne, sanctifie-nous. Au nom de ton Fils Jésus, car à lui seul qu'appartiennent la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Quand je pense à l'idée que j'ai eue de la vie, ébloui par le prix que j'ai payé. Et tout ce temps, j'ai ignoré les pourtant, pensant que ce sacrifice serait tout grand. Mais quand j'ai atteint le point de me libérer, je sens plus fort l'appel de la croix. Et si je dois mourir simplement, je n'ai jamais été aussi confiant. Je suis crucifié avec Christ et mes deux. Cette croix ne m'exige plus que je ne puis l'offrir. Non, c'est pas ma force, mais lui, il n'y a plus grand sacrifice. Je suis crucifié avec Christ pour une autre vie. As I hear the Savior call for their darling, I will bow in the weight of God. Let my head surrender to His beautiful face that holds me to the cross, yet set me free. I will glory in the power of the cross. The things I thought were gain, I count as loss. And with His suffering I identify, and by His resurrection I am alive. For I am crucified with Christ. You live within me.
His grasp will never ask for more than I can give. For with not my strength but His, there's no greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live. And I will offer all I am, so that His cross is not in vain. For I found to live is Christ, and to die is really gain. For I am crucified with Christ, and yet I live. Not I, but Christ will live within me. This Christ will never ask for more than I can give. For it's not my strength but His, there's no greater sacrifice. For I am crucified with Christ, and yet I live. For I am crucified with Christ, and yet I live. Merci, Sœur Martine. Maintenant, nous pourrons aller invité officier va passer par devant pendant que nous allons recueillir l'offrande d'assemblée. Hein? Seigneur, nous disons merci pour l'opportunité que nous avons ce vendredi. Nous sommes capables de réunir pour nous adorer, nous célébrer et commémorer la mort. L'offrande que nous allons recueillir permet que nous capables d'utiliser pour travailler aller vers l'avant et aussi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous gagnons demain, si Dieu veut, à 9h. Nous avons une rencontre spéciale pour le comité de l'association des hommes missionnaires de l'Église à 9h. Demain, si Dieu veut. Et dimanche matin, Dieu voulant, nous avons gagné un service. Nous avons commencé exactement à 10h. Nous n'avons pas gagné école du dimanche. Nous avons commencé le service nous, à 10h du matin. Et Pour nous capables de venir bonheur, parce que nous connaissons bien pile, frères et sœurs, qui appellent là, parce que nous ne pouvons pas quitter le jeu de résurrection, ça nous relève Easter ou bien Pâques là, passer sans pas dans l'église. Alors, c'est toutes les églises évangéliques qui ont surchargé dimanche, Dieu voulant. Et au soir, nous avons clôturé la journée de résurrection avec un concert de résurrection. Grand concert de résurrection, côté que les groupes de l'église, les solistes, les chorales de l'église, ils vont chanter la gloire de notre Dieu. Et c'est toute activité ça, que nous gagnons pour ce maintenant. Et toute l'autre annonce que nous gagnons à cause du temps, nous réservons, nous faisons peut-être dimanche, si Dieu veut, si nous gagnons temps. Peut-être hier ou bien avant-hier, je m'étais partagé un bagage avec l'Église et ça soutient encore pour nous prier parce que Fredo Ville t'a dit tout à l'heure là, des familles qui ont crié. Et nous connaissons ce qui est passé en Baltimore, quand le bateau a passé et puis frappé pont, et puis tout pont vidé. Il y a des gens qui mourent, plusieurs gens mourent. En Afrique du Sud, South Africa, il y a un gros bail qui est arrivé côté que. Il y a un groupe de chrétiens qui est dans un gros autobus et qui sortit dans une ville, qui parle dans l'autre ville, puis va célébrer Easter. Il y a une conférence qui a été faite.
Alors depuis non, jeudi, vous pouvez aller, enfin c'est vendredi, samedi et puis dimanche, ensemble, pour être capable de participer à une grande conférence. Et voilà que le chauffeur a perdu le contrôle de l'autobus là. L'autobus là est tombé dans la ravine. Et 45 personnes mourent dans le champ, sur le champ. 45 personnes mourent. Et moun yo jwenn ki plus peut-être 65 moun ki nan bòs la 60 moun ki nan bòs la comme ça moun ki plus ou moins alors lundi plus ou moins ki gravement blessé son ti moun 8 ans ti moun 8 ans seulement pour ça gen corps yo pa ka joine alors yo joine corps yo pa ka identifier parce que bòs la prend du feu le moun ki tan dan yo brûlé bon c'est bah tragique ta mande de côté bon Dieu hier. Notamment des côtés bon Dieu, c'est petit bon Dieu qui va le faire travailler bon Dieu. Eh bien, bon Dieu, même côté les petites c'est sous quoi? Même côté là. Pas grand accident dans la vie petite bon Dieu. Alors, des familles qui a pleuré, des familles qui ont tristesse. Et en Haïti, nous connaissons cette situation. Et m'a invité, pasteur Guy Désir, là, venu, et avant le message de la parole de Dieu, pour faire une prière pour ces familles qui, dans le moment ça, dans le temps ça, dans la période ça, qui t'a dû célébrer, qui t'a dû commémorer, et voilà qui a crié. Spécialement en Haïti, là côté qui nous est là, il y a une église qui ferme, pas capable de fonctionner. Parce que Guy Désir va faire prier ça pour nous. Allons baisser tête nous pour nous prier, Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel, nous comptons à soi-même. Parce que nous avons une relation avec nous-mêmes. Grâce à son précieux Jésus-Christ, qui était mort sous bois calvaire, et que je dis, nous ne pas relé au grand maître, nous ne pas relé au l'autre gens, mais nous disons, Papa, nous qui est dans le ciel. Oui, Seigneur, tu es notre Dieu, et nous comptons. Est-ce que vous sauvez nous, vous rachetez nous et vous faites de nous petit tout? Je veux dire, nous avons signature parce que nous venons petit ou et nous c'est monde qui c'est membre famille, bon Dieu. Merci Seigneur pour tout ça et ça n'a pas célébré, c'est la mort et la résurrection. C'est grâce à sacrifice ça où tu fais pour nous qui fait que nous capables contents pour nous approcher côté vous. Sinon, Seigneur, nous t'avons vivre dans le monde sans espoir, tant que des bêtes sauvages, tant que des animaux et même pire, parce que nous t'avons sans espérance dans le monde et les cataclysmes naturel yo ou bien les situations difficiles yo rive nous pas connait à qui crier et à qui aller mais heureusement Seigneur nous avons bon Dieu et c'est ou même qui c'est papa nous et c'est ou même qui c'est père nous et le père tendre et secourable les bagailles trop pour nous. Nous gagnons maintenant bateau nous et nous ca secouer pour nous venir côté au Seigneur et comme ça ou ca mettre la paix dans cœur nous que ou même qui baille seule la paix ça que monde pas cap comprendre Seigneur et ça que fait Seigneur non seulement ba nous la paix ou consoler nous dans moment côté nous gain affliction Seigneur, et ça fait nous lever devant dans une minute ça, frères et sœurs nous qui vivent situation difficile, nous relèvent difficile parce que nous pas joindre l'autre mot. Mais Seigneur, y a vivent dans l'angoisse, dans la peur, dans la tourmente. Gain qui réunit la caillou. Côté y a pensé à service qui qu'on habitué faire au moins un chant monté sous cœur y a chanté et pendant y a chanté y a entendu des bruits
des bruits vraiment assourdissants d'armes à feu, des rafales automatiques, comme si nos frères et sœurs étaient en guerre contre les autres. Il y a une situation ça, mais Seigneur, où qu'on est, en plus de situation ça, où qu'on est la misère, là où qu'on est la misère la plus abjecte. Il y a vivre dans la pauvreté, dans la crasse. Il y a vivre dans le fatras. Il y a des gens, je dis, qui ne sont pas qui côté pour jouer un morceau manger, pour manger. Seigneur, nous pensons avec eux-mêmes. Et eux, c'est frères, nous. Eux, c'est soeurs, nous. Il y a des gens qui connaissent eux-mêmes comme sauveur, comme Seigneur. Il y a des gens qui vivent cette situation. Ça. Nous demandons au Seigneur, servir avec un pile dans nous, mettez dans nous, même Jean ou te dit à Philippe, lorsque nous-mêmes tout, comme Philippe, nous pas ouais, côté pour nous passer, pour nous bailler peuple à manger. Philippe dit, même si nous t'a acheté, il pas d'ab suffit, mais ou te dit nous, bailler peuple à manger. Quel que soit ça qui nous emmène, ou même j'ai avec petit garçon ça, petit pain avec petit poisson pour le manger, multiplier le nom nous, pour nous capables de longer par l'autre Seigneur qui a affamé. Ou c'est bon Dieu qui compte faire provision, ou c'est bon Dieu qui compte multiplier, Seigneur, tant prie, servir avec nous-mêmes et tendre la main à d'autres qui sont affamés. Tu es le Dieu des orphelins, le Dieu de ceux qui sont affamés. Seigneur, et ça que fait, dans une minute, nous lever frère, nous avec ceux nous en Haïti. Nous prions tout pour d'autres frères, d'autres sœurs qui font face avec des accidents, que nous relais accidents, mais toi, tu es toujours au contrôle de tout. Rien n'échappe à ton contrôle, comme dit ton serviteur. Oui, Seigneur. Ainsi donc, Seigneur, nous comptons sur nous-mêmes. Mais lorsque il y a des familles qui sont affectées, ils ont en deuil, ils ont pleuré parce qu'ils ont perdu un membre de la famille, qu'ils ont gagné habitude avec eux-mêmes. Nous demandons, Seigneur, consoler le cœur. Il y a quelqu'un qui a quitté petite derrière, il y a quelqu'un qui a quitté madame, il y a quelqu'un qui a quitté mari, Seigneur. Qu'on y a moun sa yo, yo orphelin ou bien veuve. Seigneur, côté yo yé, longe main, ba yo et console cœur. C'est ça que fait parole ou dit, tu es le Dieu de toute consolation. C'est dans ou même nous ka joindre nou consolation. Nous mandons grâce ou, Seigneur, sans nous pas oublier tout l'autre missionnaire, côté yo yé, gen kap vi moment difficile pa yo tout dans circonstances de célébration ça. Mais Seigneur, ba yo tout, malgré situation difficile, ba yo tout, on joie inexplicable. Côté dimanche matin, yo va lever, puis yo célébrer ta résurrection, puis yo chanter au Christ est ressuscité. Nous prions, nous demandons grâce, nous demandons faveur. Gen de fois nous pas contre même ça pour nous demander ou bien nous pas demander ou bien mais nous demandons que le Saint-Esprit capable faire travail lui Seigneur pour nous ajuster prière nous demande nous devant et fait afin que toute bagaille capable faite pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions comme ça nous à cause de nos mérites mais nous réclamons toutes ces grâces et même au-delà même de ça que nous demandons à soi. Au nom de ton Fils, au nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Le A.
li ap kouri pa même à pas de cheval non, c'est assez avec pas de lion que l'ap kouri, mais n'a pas façon pour gérer li pour que tout baye capable fait à la gloire de notre Dieu. En pensant à la mort de Jésus-Christ, à ça que l'il était enduré pour nous, ça l'a été subi pour nous, et puis nous venons réaliser mon bagage, côté que nous sommes capables de dire Jésus paye dette, il n'est pas doué. Jésus paye dette, il n'est pas doué. Et puis nous-mêmes, nous possédons des dettes que nous n'avons pas capables de payer. Et puis Jésus vient lui-même, il paye pour nous des dettes que nous n'avons pas capables de payer. Mais Asroya, et traditionnellement, le vendredi saint, il y a toujours plusieurs frères, surtout à Patan, avec cette parole de Jésus. Et bien, je me suis touché cette parole, ça y est, Asroya, avec nous. Le, il y a toujours dit, il y a des gens qui arrivent dans le dernier moment pour le mourir. Et gon parole pour dit. Et parole yon dit à son parole qui est capable de marquer l'histoire. Qui est capable de faire l'histoire même. Et gen moun, avant même yon mourir, pendant vivant yon, y a combat, c'est des combattants. Et puis, gen parole célèbre que yon dit. Et qui marquait la vie moun, qui capable de marquer la vie de toute une nation, toute une communauté. Et par exemple, nous avons pris quelques avec nous à Soya, quelques bagailles qui nous ont dit, avant même de mourir, et déclarations qui ont été faites, et qui marquaient la vie de toute une communauté. Mais, malgré marquer la vie communauté, mais nous pas vraiment. Parole sa yo, déclaration sa yo, nous pas ouais, côté que gen transformation spirituelle qui fait, gen changement spirituel qui fait. Si nous avons plus près de nous, pour nous apprendre un homme comme Martin Luther King, et depuis nous dit Martin Luther King, nous avons compte qui s'est devant nous. C'est qui s'est devant nous? I have a dream. Et non, speech que le tabay, li di, I have a dream that one day this nation will rise up and will live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. Di mon rêve, mon rêve. Yon jou, nation sale va lever et pour les vivre, ça aurait les vraies significations, credo que vous gagnez. Dès que nous allons quimber en main la vérité, toute évidence, et tout homme qui crée, il est capable de faire des hommes qui sont égal, égaux. Monsieur dit, I have a dream that one day, on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Mwen yon dream, fon rêve. Mwen rêve yon jou. Kote ke, sou la colline rouge de Georgia. Hein? Les fils des anciens esclaves et les fils des anciens esclaves qui étaient propriétaires, qu'on y a eu capable de vivre nos moments pour chita ensemble. Et sous-quitable, sous-table fraternité, pour chiter ensemble. Monsieur dit, I have a dream that
My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Rêve. Et mais qui rêve moyen? Et que quatre petits sangs un jour, il va vivre dans une nation côté que il pas jugé sous couleur pour yo. Mais si un jugement qu'a fait, il va sous contenu caractère. Sous sa caractère, oui, mais c'est pas sous couleur pour yo. Et puis monsieur dit, this is our hope and this is the faith that I go back to the south with. Et tout le monde, ça marque tout le monde. Parole ça yo. Et noir, l'autre des bagages ça yo, yo gèle font réaction sur yo. Et gèle l'autre homme, yon l'autre noir, qui rele Nelson Mandela. Nelson Mandela, avant de mourir, mais une déclaration le fait. Il dit, les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences. Les hommes qui prennent de grands risques doivent s'attendre à en supporter souvent les lourdes conséquences. Des risques ou prend à tonnes de conséquences d'Eli. Et puis, monsieur continue, il dit, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Et belle parole. Parole qui fait mon content. Surtout les noirs, surtout ça qui a souffrir. Eh bien, mettez Martin Luther King de côté, mettez Mandela de côté, on prend Jean-Jacques Dessalines. N'est-ce pas nous la vraie? En sept noms. Mais ça, Jean-Jacques Dessalines dit, ah, nous comptons parole, ça va, nous-mêmes qui fait histoire. Je veux garder avec moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir des esclaves français sortent du fort. Que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre, qui ça le fait? Sur ange autour de moi. L'autre dit, bah, ça, c'est tout content, ou ça, c'est tout haïtien. Ou ça, c'est tout haïtien. Allez, puis devant, monsieur dit, après ce que je viens de faire dans le sud, après ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens ne se révoltent pas, ça que passe, yo. Puis l'autre en débat, ça, et puis qu'on a haïtien, qu'on a dit, oh, on est, nous, petite Dessalines, petite Dessalines, il n'y a pas les petites Dessalines. Et puis, va prendre un dernier avec nous. On connaît nous vraiment pile. Toussaint Louverture dit comme ça, je suis soldat. Je n'ai pas peur des hommes. Je ne crains que Dieu. S'il faut mourir, je mourrai comme un soldat qui n'a rien à se reprocher. J'ai dit, nous sommes soldats, pas peur. C'est le monde qui est ça. Bon Dieu dans le ciel là seulement. Si je veux mourir, je vais mourir comme un soldat qui n'a pas gagné pour le reprocher. Et puis, monsieur, allait devant, monsieur dit, quelle que soit la calomnie que mes ennemis répandent sur moi, je ne ressens pas le besoin de me justifier envers eux. Si la discrétion m'oblige à me taire, mon devoir m'oblige à les empêcher de faire plus de mal. Je dis si, tu as gardé moi, pour discrétion moi, tu as obligé pour me faire mes bouches pour me parler. Mais de voir mieux, li obligé pour m'empêcher moun sa yo faire plus mal, empêcher colon sa yo faire plus mal. Mais bagay pas noir. Monsieur dit, il est facile d'abattre l'arbre de la liberté. Mais pas facile, pas si facile de lui redonner vie. En me renversant. Ah, depuis on dit en me renversant, nous qu'est-ce qu'on a. Et puis devant, monsieur dit, ils n'ont abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs.
Il repoussera par qui ça? Par les racines. Pour qui ça? Parce qu'elles sont profondes. Allez, nous dit, bah, ça, nous, ça, si c'est petit, hein, tout ça nous vêtit nous. Ça, si c'est petit, des salines nous. Parce que parole ça, yo, ah, il fait nous vibrer. Mais malgré tout, bagaille ça, yo, Haïti était dans la misère toujours. Malgré tout, bel travail ça, yo, belle parole ça, yo, c'est héros, c'est prononcé. Haïti vient pis mal. Et Seigneur noir, et Sauveur noir. Lui-même, dans le dernier moment, il va mourir pour nous. À la croix. Et bien, qui première parole qu'il a prononcée, parce que mon temps était touché là avec nous vendredi et mercredi soir, m'a c'est pour nous passer à pied joint sur eux, pour nous capable passer à la cérémonie de baptême. Dans Luc 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-les, car ils le savent ce qu'ils font. Et là, lorsque le Seigneur fait déclaration ça, nous, hein, ça, dans déclaration ça, avec une douceur infinie et une grande compassion, c'est pas, pardonnez-vous, non, pardonnez-vous. Non, avec une douceur, avec une compassion, dit papa, pardonnez-vous. Imaginons Jésus à la croix et puis bourreau sa yo qui fin maltraiter, bourreau sa yo qui fin matériser, bourreau sa yo qui fin fouetter. Et puis qu'on y a là à la croix, la plaie des boubous yo, la plaie des bouillots, pardonnez yo, la plaie des bouillots. Et puis dans Jésus, nous pas voyons trace, moins de trace d'amertume, non. Pas de colère, non. Pas de désir de vengeance, non. Envers moun sa qui t'a maltraité. Et il demande pardon pour yo. Non seulement il demande pardon pour yo, et je dis à Jésus-Christ a continué à pardonner moun frère et sœur. Et comme pasteur Monton te fait remarquer, il demande pardon pour les bourreaux, il demande pardon pour les Romains, lui demander pardon pour les chefs religieux. Et bien, pardon, le demander à lui pour moi avant aujourd'hui à tout. Nous recevons pardon, ça, frère et soeur. Et à la croix, mais qui deuxième parole il était prononcée? Deuxième parole il prononçait. Oh, il était metté lui dans le temps deux brigands, deux malfaiteurs. Il y en a gauche lui, il y en a droite lui, et il y en a qui ironisait. Yon kap mokel. Si c'est vraiment sauvé, sauvé à tout. Et puis, délivre-nous là tout. Sauvez-nous là tout. Ou retirez la situation. Hein? Et puis, il y a l'autre qui défend déclaration. Il dit, pour nous-mêmes, c'est justice. Parce que n'a payé, ça nous mérité. Mais pour lui-même, c'est juste, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien. Et puis il vit et il garde Jésus. Je lui ai dit, songez-moi. Lorsque vous allez dans le royaume, songez-moi. Et puis Jésus ouvre la bouche à la croix. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi qui va dans le paradis. Luc 23, verset 43. Jésus lui honorait la foi brigand. Lorsque le bat l'assurance que nous tous les deux, moi-même avec vous-même, brigand, moi-même avec vous-même, je vous dis à dans le paradis. Et lorsque il a parlé du paradis, il n'y a pas paradis terrestre, c'est le troisième ciel. Là, côté que Paul t'a fait vision, que il t'a ravi. C'est la demeure de Dieu. Voilà qu'un homme qui, dans le dernier moment, un homme sous l'enfer, un homme sous la condamnation, puis à la dernière minute, là, à la croix, il reconnaît Étal. Il reconnaît que c'est pécheur. Et puis il invite Jésus à entrer dans la ville, il confesse avec bouche.
Il invite Jésus à entrer dans la ville. Et immédiatement, il joint le salut. Frère et soeur, quelle rapidité! Quelle rapidité! Il dit, aujourd'hui, quelle rapidité! Aujourd'hui, quelle compagnie avec moi! Ouais, rapidité, hein? C'est aujourd'hui. Et qui compagnie nous a gagné? Jésus. Je vous dis à même. Ou avec moi, oui. Je vous dis à côté mia ou là. C'est garanti. Ou dans le paradis. Quel bonheur. Quel bonheur. Et à la croix, troisièmement, parole que le Seigneur lui t'a lancée. Malgré sa souffrance, malgré propre souffrance par lui, nous voyons que le Seigneur lui manifestait sa nourrir affection pour l'autre monde. Lui manifestait affection pour propre famille. Lui manifestait affection pour maman qui était portée. Et lui voyait peine, maman. Lui voyait douleur, maman. Et puis Jésus, lui voulait honorer maman là, sous la croix, lorsqu'il confiait lui au bon soin de l'autre disciple que Jésus te remet en pile. Lorsque, mesdames, yo, à la croix, et Jésus, à la croix, la mère de Jésus, en bas croix, a gardé, petite Léa, déchirée, blessée, humiliée. Et puis Jésus lui-même, dans la souffrance, là, par là, la pense à maman. Non, mais qui moun m'a quitté maman? Dans quelle situation, quelle condition m'a quitté maman? M'a pas là, mais m'a pas calagé maman comme ça. Femme mette au monde là qui peut prendre soin maman pour moi. Et puis Jésus à la croix, il garde, il dit, femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Et puis il parle avec Jean. Il dit, voilà ta mère. Vous connaissez ça qui est bon dans l'évangile là? Nous parlons de l'évangile, les gens qui pensent que ce sont l'évangile, tête Marie, qui vient faire ça, vous voulez? Nous parlons de l'évangile côté que les gens viennent et font un des autres gars comme ça. Non, 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 non. Bon Dieu fait tout bagarre avec l'ordre, avec discipline, frère et soeur. Nous parlons de l'évangile, et puis c'est le travail bon Dieu m'a fait le travail bon Dieu m'a prêché, et puis je ne sais pas ce qui a passé dans la caille là. Nous parlons de l'évangile, c'est Jésus qui me connaît, et puis madame m'a mouru. C'est Jésus qui me connaît, Marie m'a mouru. C'est Jésus qui me connaît, je ne sais pas ce qui a fait maman. Je suis pasteur Monton de Bano, il y a une illustration de petit monde, maman Niri Lili. Pour l'expliquer dans la situation liée, elle dit, maman, pas même besoin de relayer le même. C'est comme si maman relayait, le maman dit comme ça que, et puis, je me sentis dans ce moment-là, je voulais tuer tête moi. Et puis, il dit, maman, c'est comme si, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée même. C'est pas une mauvaise idée, son frère. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Jésus pas agi comme ça, frère et soeur. Jésus montrait l'importance famille. Il y a maman qui vient pour traiter maman. Il y a papa qui vient pour traiter papa. Il y a famille la caille qui vient pour traiter. Petit tout qui vient pour traiter. À la croix dans la souffrance, l'homme dans la souffrance, il n'y a pas de famille avec vous là. Est-ce que l'église est avec moi? L'homme dans la souffrance, il n'y a pas de famille. Même dans la souffrance, Jésus connaît l'importance de la famille. Quatrième parole, il y a à la croix. Frère et soeur, dans Matthieu chapitre 27, verset 46, Jésus criait, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ouais, nous avons une réponse à ça, question ça. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous avons une réponse là, non, Somme 29, verset 4. Somme 29, verset 4, ma réponse là, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu es le saint. Tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Parce que tu es le saint.
Parce que bon Dieu, c'est un Dieu qui sait, frère et soeur, il n'est pas capable de fermer les yeux sur le péché. Au contraire, il doit punir. Il doit punir. Le Seigneur Jésus n'avait commis aucun péché, mes chers amis. Mes frères et soeurs, il n'a pas fait rien. Mais le Seigneur, comme a dit le prophète Esaïe, il s'est chargé lui-même de la culpabilité des nôtres. Lorsque bon Dieu lui-même, le juge, l'y penchait sur Jésus-Christ, et lui ouait tout péché nous a accumulé, tout péché nous a tombé sur sa nourrie, le substitut innocent. Et comme ça, lui éloigné de son fils bien-aimé. Et séparation ça, hein, qui arraché, m'a dit à Jésus, ce cri déchirant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère, c'est aucun imaginer ça dans l'histoire de la Trinité. Dans l'histoire de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pas capable de séparation, frère, c'est pas capable de guérir comme ça. Mais à cause de moi-même, à cause de vous-même, à cause de péché, pour un bagage qu'on s'arrivait dans la Trinité, frère et soeur. Le Père, l'éloigné du Fils, à cause globe terrestre là, globe ça, il hein, tombé sous dompit là. Lui qui n'a point commis de, connu de péché, et ça le fait le devenir, il fait le devenir péché. Pour nous. Et Jésus criait, papa, papa, pour qui ça? Ou abandonner? Ou qu'à imaginer le Père abandonner le Fils pour être moins? Le Père abandonner le Fils pour être où? Qui est mounouillé? Qui où? Merci beaucoup. Rien nous payer. Rien. Mais à cause de nous-mêmes, le Père a abandonné le Fils. Cinquième parole. Ah, frère et soeur, il y a un moment arrivé, il y a une situation arrivée. Ah, c'est pas qui grave, oui. À la croix, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 19, verset 28, dans Jean 19, verset 28, Jésus criait, j'ai soif. J'ai soif. Qui le Jésus-Christ et j'ai soif. Jésus-Christ et j'ai soif tout de suite après les heures de ténèbres. Tout de suite après les heures de ténèbres, Jésus-Christ lui criait. J'ai soif. Maintenant, on a dit ça son paradoxe. C'est son paradoxe. Ça qui me dit son paradoxe. Jésus-Christ dit c'est l'eau vivante liée. Jésus-Christ, dans le chapitre 4, verset 14, dans le chapitre 7, verset 38, il rencontre avec femme samaritaine, non? Il dit femme samaritaine, non? Sous bois de l'eau, ça! Vous pas besoin de soif encore. Pourquoi ça? Parce que son gloire qui a coulé jusqu'ici dans l'éternité, et puis il met de l'eau à soif. C'est un paradoxe. Frère, soeur! Jésus-Christ, il était soif naturellement. Il était en soif humaine naturellement. Normalement, en bas, pression que lié, le soleil fin bac, tout sang a coulé, il suait, tout suait coulé sur lui-même, et bien il vient au moment, côté que, il est déshydraté, il a besoin de l'eau, et bien il criait. Il dit, j'ai soif. Et lorsqu'il dit le soif, qui s'est préparé pour lui, il a bali, il a vinaigre. Et là, il a vinaigre là. Ce n'est pas mon vinaigre, il a porté comme ça, c'est mon bagage comme ça. Son bagage qui était écrit dans Somme 69, verset 22. Somme 69, verset 22. Son bagage qui était arrangé, c'est mon bagage qui paraît étrange pour nous.
C'est pour moi que monsieur fait tout comme ça, c'est pour moi qui était écrit, qui nous est fait. C'est pour accomplir la prophétie. Ça indiquait que Jésus-Christ, c'était vraiment là, au Pascal. Pour qui ça? Yo bal. Éponge. On branche d'isope la donne, remplie de vinaigre. Dans Exode chapitre 12, verset 22. Dans Exode 12, verset 22. Il dit, vous tremperez ensuite un bouquet d'isope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Ça t'est écrit, frère et sœur, ça t'est écrit. Le Seigneur soif. Mais qu'on y a, soif ligué, hein? C'est pas une soif humaine, mais c'est soif, les soif ou même, qui pour qu'on aime. Les soif ou pour venir joindre. Les soif ou pour t'avenir, pour t'apprendre avec lui. Il dit, voici, je me tiens à la porte. Et qui ça? Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Sixième parole. Le Seigneur crie à la croix. Jean 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli. La sixième parole, frères et sœurs, qui prononçait, théologéo, et il dit comme ça que c'est un mot grec qui veut dire tetelesté, qui signifie tout est accompli. Lorsqu'il dit tetelesté, ça veut dire que tout est accompli. Et lorsque la recherche que des théologiens font, des chercheurs, ils ont fait, ils ont joint, ils ont reçu d'impôts sur ça nous relions papyrus et qui portait Max, qui portait le tetelesté et qui veut dire lorsque l'écrit tetelesté a écrit dans papyrus là, mais ça le veut dire, il veut dire entièrement payé. Le fait que Jésus-Christ prononce ces paroles ça. Et son parole qui est très significative. Il dit, tout est accompli. Mais comment vous avez attiré l'attention de tout? Jésus-Christ dit, tout est accompli. Il n'a pas dit, papa, j'ai terminé. Vous avez terminé? Vous n'avez pas accompli rien. Avec moi? Vous avez terminé? Vous n'avez pas accompli rien. Jésus-Christ n'a pas terminé. Mais Jésus-Christ, qui ça le fait? Il a accompli. Il a accompli. Ça veut dire que livre dit que son œuvre rédemptrice, il était accompli, le travail était qu'il pouvait faire, il a accompli, mission accomplie. En effet, il était fait péché, alors il n'est pas fait péché, il était fait, il était devenu péché pour l'humanité. Il était subi le châtiment de la justice de Dieu. Et châtiment que moi-même, avec vous-même, t'es mérité. Le prophète Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix et froid est tombé sur lui. Maintenant, par sa mort, frères et sœurs, par la mort de Jésus-Christ, porte-la l'ouvrir. Porte-la l'ouvrir, Kounia. Tout le monde capable d'entrer parce que voile temple l'échiré. Lorsque Jésus-Christ dit, tout est accompli, voile temple l'échiré. Libre entrée, Kounia là. Libre accès. Nous n'avons pas besoin de monde entrer pour nous, nous n'avons pas besoin de monde intercéder pour nous, nous n'avons pas besoin de monde porter bête pour nous, présenter sacrifice pour nous, présenter offrande pour nous. Non, nous avons libre accès qu'on est parce que voir le temple déchiré. Depuis voir le temple déchiré, nous n'avons pas besoin de souverain sacrificateur encore. Service qui est pour des fêtes là, voile ça, qui t'a séparé le saint. Et le très saint, lui déchiré, qu'on y a tout le monde qui a accès, frères et sœurs. Voilà déchiré. Christ lui tracé pour nous-mêmes, route là. Et qui vient de tracer route là, c'est en sa mort, lui tracé route là pour nous. Maintenant, bon Dieu, permet que par la mort de Jésus-Christ, nous nous réconcilions avec lui-même. Maintenant, justice
et bonté, bon Dieu, réconcilier. Frères et sœurs, et dernière parole là, septième parole là, c'est dans Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Qui ça Jésus-Christ dit? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Écoutez ceci, frères et sœurs. Là, Jésus-Christ dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est pas très passé, le bal très passé, non? M'a voulu pour nous penser, Jésus-Christ tellement affaissé, Jésus-Christ tellement prend coup, sans Jésus-Christ tellement coulé, Jésus-Christ vient au dernier moment, il n'y a pas qu'à respirer. Papa, Père, je remets mon esprit. Oh, entre tes mains. Non. Jésus-Christ n'a pas trépassé, frère et soeur. Non. La Bible dit, c'est avec une voix forte. Jésus-Christ, elle dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains et puis lui expirer. La mort de Jésus-Christ, c'est pas même avec des salines. La mort de Jésus-Christ, c'est pas même Jean avec Martin Luther King. La mort de Jésus-Christ, c'est pas même Jean avec tous ces ouvertures, frères et sœurs. Monsieur Sayo, c'était des martyrs que tu es. C'est martyrs que tu es. Tous ces ouvertures, martyrs. Jean-Jacques Dessalines, martyr. Capois la mort, martyr. Martin Luther King, martyr. Mais Jésus-Christ, frère et sœur, les pattes, ils ont martyrs, même avec mon Sayo. Pourquoi ça ne fait pas de martyrs? Parce que monsieur Sayo, Luther, Dessalines, tous ces ouvertures. Bon, nous avons l'autre prédicatrice qui va me pétion. Pas nuit, il n'est pas fatigué. Pas... Quittez la paix. Leave her alone, please. Now, tout le monde sait, la mort différente de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même, frère et soeur, c'est lui-même qui était consenti même pour bailler lui. C'est lui-même qui consentit pour bailler lui. Bon, expliquez-nous ça. C'est Jésus-Christ même qui consentit pour bailler ville. Là, il est arrivé, il a parlé avec disciples. Il finit par la disciple, il dit aux disciples comme ça que le moment arrivé qu'on y a, il est arrivé pour le Fils de l'homme pour le passer par la mort. La Bible dit comme ça que monsieur quitté, quand il sortit, lui prend direction la mort même à Jérusalem. Lui prend route Jérusalem pour lui, côté le connaît, il prend le mourir. L'aile rivée, frère et soeur, au contraire, nous, ça arrivait. Le Jésus-Christ rivait, monsieur est venu pour prendre Jésus. Et puis Pierre allait et pelle, Pierre saute les oreilles, un soldat, oui. Saute les oreilles, là, oui. Et puis Jésus prend les oreilles, là, Jésus retire, il dit non, Pierre, ouais, épée ça, pour qu'on soit avec lui. Moun qui frappe par l'épée, il a péri par, et pas par les mêmes pénoms. Il a péri par l'épée. Il a péri par l'épée. Et puis Jésus prend les oreilles là, Jésus coule les oreilles là, Jésus coule. Mais, n'est-ce qu'on y a là, monsieur qu'on y a là, en Haïti qu'on y a là, je ne sais pas si c'est une parce que pas de la politique. Tu as là que les oreilles pour l'extérieur t'a coupé, alors les oreilles qui t'a coupé. Mais Jésus lui-même, ce n'est pas de conseil, parce que c'est pour martyrier. Il est venu même pour le mourir. Il est venu en mission pour le mourir. D'après Jean chapitre 10, verset 15, Jésus-Christ dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour mes brebis. Au verset 17 et au verset 18, mais c'est Jésus qui dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. C'est pas... Mon monde qui fait rara en Haïti, qui a ironisé Jésus, il a cloué Toto, il a cloué Toto sous la croix, après Jésus Toto. Jésus pas Toto. Mais c'est sérieux, Jésus pas Toto. Jésus qui dit, moi baille vim, c'est moi qui baille, c'est pas yo prendre, yo pas vim prendre, c'est moi même qui baille vim. Et au contraire, ce qui passe, pas de monde qui prend. Moi baille, l'aime baille, m'y a pouvoir pour m'baille, et m'y a pouvoir pour m'prendre. C'est moi qui baille.
et m'y a pouvoir pour me reprendre. C'est l'autre ça que me recevra de papa. Frère et sœur, Jésus pas un martyr. Même j'ai avec Luther, même j'ai avec les Salines et les autres. Jésus est venu en mission spéciale pour lui mourir, pour lui la ville, pour moi avec vous-même. Et à la croix, il m'a demandé pardon pour nous. À la croix, il m'a demandé pardon pour nous. À la croix, frère et sœur, il y a un bagage qui t'a fait. Heureusement, c'est Jésus. Ce n'est pas moi-même. Si bon Dieu t'a fait un cadeau Jésus pour Jésus dans 3 secondes, je vais montrer la tête qui l'on aime. 3 secondes seulement, bon Dieu, je vais demander bon Dieu, 3 secondes seulement pour Jésus, je vais faire un cadeau pendant 3 secondes. Mais imaginez-vous, un homme qui paraît qui frappe Jésus dans le visage, il bon, dit pas Jésus soufflette. Et puis Jésus n'a pas dit rien. Imaginons, vagabond ça paraît une fille, Jésus lui touffe. Jésus n'a pas dit rien. Imaginons, boule ça y prend, regardez, boule fer avec fouette là, boule fer ça l'air frappé. Non, dont Jésus, vient Jésus lever. Mel Gibson, mon fils te fait, je te demande pour retirer mon fils ça rapidement. Oui. Parce qu'il dit, toi, cruel, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai comme ça. Joël, monsieur Montella, c'est comme ça vraiment, Jésus n'est pas coup. Rachez pour Jésus. Déchirez lui. Pour moi, avec vous-même, je dis. Il était malgré tout ça au fait. Il n'a point ouvert la bouche. Merci Seigneur. De ce que tu fais mes bouches, pour bouche pas, tu es capable d'ouvrir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le. Oh, ne permets à personne si hier d'arrêter rien. Oui, prends ton Seigneur. Oui, prends ton Seigneur. Prends ton Seigneur. Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Frères et sœurs, pour répondre à l'appel de notre Dieu qui
qui ordonnait que ça ou quoi doit baptiser publiquement. Car il dit, si on confesse nom devant les hommes, on va confesser non pas. C'est pour cela que publiquement, après avoir accepté Christ comme leur sauveur personnel, nous avons 17 personnes, jeunes et moins jeunes, qui publiquement assoya, voulaient confesser qu'ils ont accepté Christ comme sauveur personnel et pour marcher avec Christ pendant toute la vie. En nous prier, Seigneur. Notre Seigneur et notre grand Dieu, nous bénis, nous exaltons et nous glorifions. Nous. Nous bénissons, Seigneur, de ce que dans l'amour infini, dans l'amour que nous ne sommes pas même capables d'expliquer, ou qui te trône, dignité, majesté, ou descendre, Seigneur, dans les régions inférieures de la terre, pour venir mourir dans la place. Non. Parce que, Seigneur, tu as dit, sans effusion de sang, pas de pardon. Et Seigneur, volontairement, sans ce n'est pas forcé, ou tu es mort dans la place. Non. Et on dit à tous ceux qui l'ont reçu, on va au pouvoir pour devenir enfant de Dieu. Car on dit, c'est un croyant du cœur qui est parvenu au salut. Et c'est en confessant de la bouche que vous trouvez, Seigneur, le salut en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, voici ces catéchumènes qui viennent publiquement, Seigneur, confesser que acceptez comme maître, comme sauveur. Que l'engagement, ça va prendre, Seigneur, à ce moment-là. Démonstration, ça va faire, à ce moment-là. Capable de sceller, Seigneur, et que l'Esprit soit capable de conduire jusqu'à ce que la trompette la sonne. Et ça, au Seigneur, qui l'a assemblé, comme des croyants, comme des spectateurs, comme des seigneurs chercheurs, ou capables, Seigneur, ou même convaincus que le salut est désormais plus près de nous que jamais. Et parler avec cœur, afin que nous-mêmes tout, Seigneur, next baptême, nous sommes heureux que nous acceptons comme maître, comme sauveur. Mais on va publier publiquement par le baptême que vous vécurez dans le nom de Jésus-Christ. Que cette cérémonie, Seigneur, car pour vous-même, Seigneur, un sujet de gloire, de louange, et pour ces catéchumènes, Seigneur, une déclaration de foi publique. Au nom de Jésus-Christ, nous en prions. Amen et Amen. L'église bon Dieu béni nous. Amen. Non pam c'est Marie Modaxino. Moi t'ai converti 27 novembre 2021. Amen. Moi prendre décision pour me baptiser. L'église va aider me prier. Grâce bon Dieu avec nous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Merci, merci de me sauver-vous
Elle t'est ressuscité pour être capable de déclarer au juste. Oui, pasteur. M. Maïmoud, est-ce qu'on accepte Christ pour sauveur personnel et on prend décision pour marcher avec lui chaque jour de vie jusqu'à ce que la trompette n'a sonné? Sous déclaration foi, on va baptiser où? Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. La voiture, Seigneur. Moi j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel moi en septembre 2020 mais jodi a moi décidé pour me baptiser mais nous connaissons le chemin pas facile tant pis m'a demandé nous pour nous aider prier que bon Dieu bénisse nous. Des morts pour être capable de déclarer au juste. Oui, pasteur. Selon ces légèmes, est-ce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel? Oui, pasteur. Selon ces, est-ce qu'on prend décision pour marcher avec Christ là, jusqu'à ce que ton père t'a sonné? Oui, pasteur. Sous déclaration foi, on va baptiser où? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
Sœur Marie Marguerite refusait Pierre. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est mort dans la place où pour être capable de sauver en bas châtiment péché? Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est ressuscité pour être capable de déclarer au juste? Oui, pasteur. Sœur Marguerite, est-ce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel? Oui, pasteur. Est-ce qu'on prend décision pour marcher avec lui-même jusqu'à ce que la trompette la sonne? Oui, sous déclaration foi sur Marguerite, nous va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Today to submit my life to God and to follow and obey His commands. Please keep me in your prayers. Thank you. Spécial à Nissa de ce que lui a accordé à l'église de Bronx 10 mouns qui a plongé dans les eaux du baptême. Et parmi eux-mêmes, 8 jeunes, ça c'est un travail tout à fait spécial que le Seigneur lui-même lui fait. Sœur Laurie Jean, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort dans la place pour être capable de sauver en bas châtiment éternel du péché? Oui, pasteur. Sœur Laurie Jean, est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité pour être capable de paraître juste devant mon Dieu? Oui, pasteur. Sœur Laurie Jean, est-ce que vous acceptez Christ comme sauveur personnel? Est-ce que vous prenez décision pour marcher avec lui-même jusqu'à ce que les retournent et chercher. Oui, pasteur. Sous déclaration foi, sur Laurie, nous va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sœur
Isabella Domaine. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est mort dans la place où vous êtes capable de délivrer en bas pénalité péché? Sœur Isabella Domaine, est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est ressuscité, sorti vivant dans la mort pour être capable de remplacer ou pour changer de place avec vous pour te paraître juste devant votre Dieu? Sœur Isabella, est-ce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel? Est-ce qu'on prend une décision pour marcher avec elle jusqu'à ce que la trompette la sonne? Sous déclaration forte, nous allons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il t'est ressuscité pour qu'apparaître juste devant mon Dieu. Sœur Noïka Jean, est-ce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel? Est-ce qu'on prend décision pour marcher avec lui-même jusqu'à ce que trompette la sonne? Sœur Noïka, sous déclaration foi, nous va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est mort dans la place pour
pour être capable de sauver en bas pénalité péché, et te ressuscité pour être capable de paraître juste devant mon Dieu. Sœur Dina, est-ce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel? Oui, pasteur. Sœur Dina, est-ce qu'on prend une décision pour marcher avec Christ chaque jour en vie jusqu'à ce que la trompette là sonne? Oui, pasteur. Sœur Dina, sous déclaration de foi, on va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reçois ton Jean-Claude. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est mort en place pour qu'il délivre en bas pénalité péché? Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ ressuscité pour qu'il capable déclarer au juste? Oui, pasteur. Est-ce qu'on accepte Christ comme sauveur personnel? Oui, pasteur. Est-ce qu'on prend une décision pour marcher avec Christ chaque jour en vie jusqu'à ce que le Seigneur tourne et vienne chercher? Oui, pasteur. Sous déclaration foi, Sœur Marie Elsie Jean-Claude, nous va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je ne veux personal savior August of 2016, and today I decided to get baptized. I was supposed to get baptized last year, but I had to undergo a surgery, and I want to thank God for healing me. Amen. And
to you to keep me under your prayers over my life. Amen. Je viens à pour venir sauver en bas conséquences péché. Sœur Olivia, est-ce qu'on croit que Jésus-Christ ressuscité sorti vivant dans la mort pour les capables paraître droite devant mon Dieu? Sœur Olivia, est-ce qu'on accepte Christ ça comme sauveur personnel? Sœur Olivia, est-ce qu'on prend décision pour marcher avec Christ jusqu'à ce que la trompette la sonne? Sous déclaration foi, nous va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tel que je suis sans rien d'être à moi, My name is Aisha Aluichi, and last year I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. And today I am getting baptized to obey His order and to testify my faith. I ask that you keep me in your prayer, please, and thank you. Amen. Tel que je suis délivrer en bas condamnation péché. Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ t'est sorti vivant dans la mort pour être capable de paraître juste devant mon Dieu? Oui, pasteur. Est-ce qu'on accepte Christ ça et ça l'a fait pour vous sur la croix et on accepte le comme sauveur personnel? Oui, pasteur. Est-ce qu'on prend une décision pour marcher avec lui-même chaque jour en vie jusqu'à ce qu'il retourne? Oui, pasteur. Sous déclaration foi au sur Aïcha, va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
suis converti le 16 novembre 2019. À cette disposition, je vais plonger dans l'eau du baptême. Je vais me brûler, je vais brûler le coup. Amen. Combien nous aiderons dans nos affaires, combien Jésus-Christ qui t'est trôné vient mourir dans place pour capable délivrer en bas condamnation péché. Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ paraît en bataille, il levé vivant et puis il monte contre papal pour ou même pour capable être juste devant bon Dieu. Oui, pasteur. Frère Dieu seul, est-ce qu'on accepte Christ ça comme sauveur personnel? Oui, pasteur. Est-ce qu'on prend décision pour marcher avec elle? Chaque jour dans la vie, jusqu'à ce que il retourne. Oui, pasteur. Donc, sous déclaration foi, frère Dieu seul, nous va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Martin m'a accepté Christ en septembre 2012, même après tant d'hésitations pour me baptiser, à soi me prendre disposition pour me plonger dans les eaux du baptême, alors que j'ai aidé à mourir. Amen. Miséricorde Jésus-Christ mourit dans la place où, pour capable délivrer et c'est ça seulement que tu as délivré en bas de condamnation péché. Oui, pasteur. Frère Jean-Claude Matin, est-ce qu'on croit que Jésus-Christ n'a pas été en bataille, mais sorti vivant physiquement dans la mort pour capable paraître juste devant mon Dieu? Oui, pasteur. Frère Jean-Claude Matin, est-ce qu'on accepte Christ ça et ça a été fait pour vous ou accepter comme sauveur personnel? Oui, pasteur. Jean-Claude, est-ce qu'on prend décision pour marcher avec Christ à chaque jour de vie jusqu'à ce que la trompette n'a sonné?
Oui, pasteur. Frère Jean-Claude, sous déclaration foi, nous va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, je viens. I accept Jesus Christ as my personal Savior and my Lord because I confess my sin and I went through a bed. Amen. Jesus, je viens. Jésus-Christ est mort dans la place pour être capable de délivrer en bas condamnation péché. Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ n'a pas traité en bataille, mais il t'a levé physiquement, sorti vivant dans la mort, pour être capable de déclarer au juste? Oui, pasteur. Frère Belindji, est-ce qu'on accepte ce que Christ a fait pour vous et est-ce qu'on accepte comme maître, comme sauver la vie? Oui, pasteur. Frère Belindji, est-ce qu'on prend une décision pour marcher avec Christ chaque jour dans la vie? Jusqu'à ce que trompette la sonne. Mais pasteur. Sous déclaration forte, Frère Belindji, et devant assemblée ça, m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Savior in February of 2018, and I decided to get baptized today to prove the world that I am loyal to God and only God Himself. And I wanted you guys to keep me in prayer along my journey with Christ. Thank you. Amen. Jesus, je viens. Pensez que le ministère fait pour l'argent, le ministère fait pour quoi? Mais la joie que moi éprouvé lorsque m'a présenté et plongé dans les eaux du baptême, mes enfants en Christ, que me présenter autant, il n'y a pas de plus grande joie. Parce que
si m'te fait laisser 20 milliards de dollars dans le ministère, si je mourrais à soi, c'est dans veiller pour Stéphanie mettre 1 dollar dans sa gueule. Il va mettre 1 dollar. Au contraire, si tu as mettre, tu as dit, ah, la gueule est là pour moi. Ils veulent continuer le ministère derrière. Mais ça fait joie au ministère. Donc ce n'est pas l'argent. C'est ça qui peut continuer après mon départ sur terre. Car la Bible dit, servez-vous à suivre. Mes bénédictions que bon Dieu bat moi. Et mes bénédictions tout le bas au même peuple de Dieu qui a prié pour les jeunes. Frère Roberto Domaine, est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est mort en place où pour être capable de délivrer en bas de condamnation péché? Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ n'est pas traité en bataille, mais il est ressuscité des morts? Oui, pasteur. Pour être capable de déclarer au juste? Oui, pasteur. Roberto, est-ce qu'on accepte ça que Christ a fait? C'est pour vous le faire. Est-ce qu'on prend une décision pour marcher avec lui-même? Chaque jour dans la vie, jusqu'à ce que la trompette la sonne. Oui, pasteur. Sous déclaration foi, I will baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pour toi qui donne la vie, church. Good evening, church. My name is Jeremiah Henry, and I decided to accept Jesus Christ as my Lord and Savior in 2017. And tonight I have taken the choice to be baptized publicly to express my loyalty and love for Jesus Christ. Please keep me in your prayers. Amen. Mon être entier te prie. C'est un privilège pour moi de plonger dans les eaux du baptême. Jeremiah, qui est une, presque vice-président de la jeunesse de l'Église, une bénédiction tout à fait spéciale. Jeremiah, c'est un jour encore. François. Jeremiah, qui ça? Jeremiah Henry. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est mort sous quoi pour capable de délivrer en bas la mort éternelle? Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ n'est pas traité dans la mort? Il était levé vivant, physiquement, il était monté dans le ciel là, pour même être capable de paraître juste devant mon Dieu? Oui, pasteur. Est-ce qu'on accepte ça que Christ a fait assez pour vous le faire? Et est-ce qu'on prend une décision pour marcher avec elle chaque jour dans la vie? Jusqu'à ce que Christ tonnait. Oui, pasteur. Sous déclaration foi, Jeremiah, I will baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you.
Dieu bénit nous. Amen. Nous pas monsieur Ricardo Goulout. Moi te converti 25 août 2023 à ça me décider pour moi baptiser. Moi demande nous prier et de prier juste pour moi de faire dans l'évangile. Amen. There's someone to pray. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ, seul petit unique mon Dieu, est descendu sur la terre pour être capable de mourir dans la place où pour délivrer en bas condamnation au péché? Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ n'est pas traité dans la mort, mais il est levé vivant physiquement? Et je dis, il a fait ça pour être capable de paraître juste devant mon Dieu. Oui, pasteur. Est-ce qu'on accepte ça, Christ est fait assez pour vous le faire? Et est-ce qu'on accepte comme sauveur? Oui, pasteur. Est-ce qu'on prend une décision pour marcher avec Christ chaque jour dans la vie jusqu'à ce que la trompette la sonne? Oui, pasteur. Sous déclaration foi ou fait devant l'assemblée, on va baptiser où? Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. C'est le 26 avril. Moi, j'ai accepté Jésus en 2021. Je dis à mon pour décision pour me baptiser. Je demande pour nous aider à prier juste pour nous arrêter. Femme dans l'évangile. Amen. Je veux un cœur. Pentina, na frère. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est mort dans la place où pour être capable de délivrer une condamnation au péché? Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ n'a pas traité en bataille, mais il est levé vivant dans la mort pour être capable de paraître juste devant mon Dieu? Oui, pasteur. Frère, na frère, est-ce que vous prenez décision pour marcher avec Christ jusqu'à ce que Christ retourne? Oui, pasteur. Est-ce qu'on croit que c'est dans la place où Christ a fait ça? Et est-ce qu'on accepte comme sauveur? Oui, pasteur. Sous déclaration foi et devant l'assemblée, nous allons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
Nous passons assister à un spectacle. Mais nous sommes assister à obéissance, à commandement que bon Dieu lui-même bail. Pour nous confesser non publiquement. Et dit lui-même tout pas manquer, pas confesser non devant papa nous qui dans ciel. Si vous l'avez soué dans l'église longtemps, et vous faites réticence, ou dit ou quoi, et vous ne pouvez pas baptiser. Vous pensez qu'il faut bon net, vous pensez qu'il faut plus net. Ça, pendant la parole là. Prenez décision, soit accepter Christ tout bon, pour confesser publiquement. Et si vous l'avez soué, ou t'es là seulement par curiosité ou pour assister à une famille. Christ dit à soi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Qu'est-ce qu'il a voulu? Qui peut connaître Christ et qui voulait avoir un autre témoignage à soi? On va plonger dans les eaux du baptême, mais approcher immédiatement devant. Et nous va prier pour accepter le sacrifice ça Christ a fait pour vous. Qui grand jour, lorsque vous avez parlé de sacrifice ça, et vous-même vous songez, c'est dans le jour ça vous accepté. Vous ne parlez pas de ça. Vous n'avez pas invité, mais vous n'avez pas compte sur le Christ la vie. Et c'est peut-être vous-même à soi qui fait quitter deux secondes ça. Pendant que tout le monde a prié dans le cœur, ou même qui l'a pour qu'on connaisse Christ, avancez. Notre Seigneur et notre grand Dieu, comment dire merci? Seigneur, nous pensons, vous avez fait 90% et vous avez quitté 10% pour nous. Nous pensons que nous avons fait 99% et puis 1% nous-mêmes pour nous dégager, pour nous faire, pour nous essayer de sauver. Avant de quitter quoi? Ou dit, moi fais tout. Ou dit, tout bagaille accompli. Ou pas quitter rien même pour faire mieux pour nous faire aujourd'hui. Un seul bagaille au moins de nous. Acceptez ça me fait. Moi fais tout. Merci Seigneur. En reconnaissance, nous demandons pour nous servir, pour nous aimer, pour nous marcher avec vous, pour nous bailler talent pour nous bailler temps pour. Et même Seigneur, à soi, nous demandons notre bagaille, apprenons-nous souffrir pour. Parce que quand on promet nous, non pas le salut, mais on promet nous, si nous souffrons avec vous. Nous allons rire avec vous. Que nous sommes capables de glorifier. Mais nous, de façon spéciale, tous ces jeunes, tous ces frères, tous ces soeurs qui étaient plongés dans les eaux du baptême à Souya. Continuez à parler dans le cœur de ça, qui a fait incrédule. Et continuez à parler dans le cœur de ça, qui pas connu. Et accordez-nous, Seigneur, une bonne et agréable nuit. Au nom de Jésus-Christ, ça qui est entré là malade. Faire la caillou avec guérison. Ça vous tente de décourager. Faire la caillou consoler. Et merci Seigneur d'avoir béni d'une façon tout à fait spéciale notre ministère à l'église baptiste d'expression française de Spring Valley et notre ministère à l'église Seigneur et chaîne Community Baptist Church. Que nous avons toujours loué à travers l'église à vous. Et au capable de camper comme un phare allumé pour continuer, Seigneur, faire le vous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Maintenant que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, nous sommes capables de tout bonheur pour l'accomplissement de sa volonté. Allez en paix. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.